Bavu, Letsanda Nor, Warinico Aminif Wahao, Noa Tsurinica, ou Aminif Wahao Tena, Garwa Washleo, Marhaba, Hokaya Sissing, Garitzahawi, Amani, Garzahawi, Sangani, et Bablaha. Quoi de tout? Parimparani Wang, Hokayangam Juao, Jana, Iseni, Watowa Zenatija, Zahi. Zimbwana Rakawenda, c'est ma députée, à la fois Sisi Harmoa et Tsandra Nord, ou Atendeza Abdulaziz, Mdi. Nabo, Gamjo Okaya, Harmoa Siasa, Ouizani Wasiasa, des meetings. Et mon Yanyas Abdulaziz, Kajashinda, Yafanya Hatamiting Nzima. Ouizani Wasiasa, des sondages. Et ma tangazaji wa RCM 13 watoa sondage sinde rande haraten sondage ya handa ni sondage ya vida ndia sisi rikonju ukaya wabijuka mushkila harmazi mwanazimu rikozilinda naritza uwa rende ukaya simadwa mana wa siyasa rikonu ukaya leo et tafisiri ya hezebwa nazimu, ze tafisiri mizumbili, nzima loka ya harmoni mji watu jimu. Ngabu bandi ya mwandu wande hawalekezo kaya, ulamu mji utso harmoe daula. Ila daula harmoa daula. Donc sisi wano kaya, harmoni zebwa nazimu ze tafisiri mizumbili. Nzima loka ya wano, sente rakuwanada sinao paske vanu harma zimbwanazimu baka Abdulaziz prince cha Salim Saadi ne team Salim Saadi wakuwana na sente na Boko Haram hukaya wawu wakufanya kampanye contre Salim Saadi yone manu kaya leo sisi rishin hukaya rishin de sente rishin de Boko Haram et Richine Abdulaziz. Henry, et c'est un boka qui va nous faire un chavot. Boko Haram, un boka, nous allons passer ma caisse. Un boka qui va nous faire un meeting. Un boka qui va nous faire ma photo tout de suite. Zopia, Mgwamenza, Zimpinishi, Vatinokaya, Rimana, Namonyanyasi, Vatinokaya, Bezana, Chazi, Fanishiha, ha. O salama na ama. Nge yabo yo victoire ya mwando. Rijifreshi ya osi sukaya leo. Etu jini ndiyo harmwe daula ya Komoro. Shaketi bonze ukaya ila daula harmwe daula. Tujini ila ndiyo harmwe daula ya Komoro. Zondo de zondogo za handani sisiri. Jini kawo fahari ukaya rarive harmwe zenugo iso. Ezabili ukaya. Harmoni mwanazimu, hamande heli na zitendezo mwanumu. Harmoni opinion, imwanyanyasi yambwa hahungu kajahunga. Na bo sisi leori mparani rijerema bianukaya, sisi kanoha de harmoni matangazaji, renira adolila, resisare, heza okaizu ndogo rakozi juwa. Shabanu, harmoni tika juzi ngabondogo zavira na hii, ila wamboka ya ulamsomo. Ngarombo mungu kerokuru la depose, ukaya imadhamana wa hekuru, nguwa jorenga ukaya zenongo zabira 2019, za tungeza rilo harmwa mbalbala rangu yabo, wajo kana imani wa rengi ukaya vala kweli, vaviri matata harmwa ye zevoti za Itsandra Nor, harmwa biro za Timuntsanu, Hahaya, Bibavu, Milebani, Usivo, na ntujua kati ziwaza pia sha harmazi biru hizo watu ujaze na kiesi na mno kaya e pourcentage ya he e pourcentage nationali mwandu wako voti ija 64% harme miji yongi yo presko 93-94% geyabo kanzari mwambie nukaya vanu sisiri hungu Rijima kinishi. Karja rungowa.
Cartulia mundo, rehundo, cartuau carimundo, rehundo to gini, erehundo harmale bav. Becky Shokaya leo, eban, emadomana wahekur, guajo, rinika haki, guajo regize hakiatu, osisreliata, bokayao, karnakusuma, hitima in riari the rooms and fuzatu ni malia hat, nechitiari hatu nizimbiam hukum, shara bokaya under parao, matangazaji, rije ruonesi. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Comor, avo Andoranti za emikro député Karan, ya onese babi eze fikre eze ha. Vote. Je vote car aussi si je serai
rasible no kaya mabuze biro za hahaya ikao mungu ni mafano ya seswero wa hatu hatolwa ho biro manu militari donko rija tsena mbambani waka udepuye kwa tina skrutatori na maasesori ani na hwasa tsena ikao konstato kaya zile irregularité iso mizozo ka signale na sinongo zinji dawe ka oson tipi ya madhe za michelan ne depute reka sur le terrain reka hile ze mio donc o liwono iza iza jiri ka ya presque si dira ondra toka sur le terrain wa siche donc o gabo si singa rona ukanga sina ze argument piezo shinda liwone se za jiri dans les bureaux de vote liwone se ze irregularité za jiri ukaya manava sa inti question yo kaya Amade les hélices qu'on a mis sur Kaya ni à Chine sur déposer recours. Il y a une question Kaya en garant d'ores et déjà où le aménifou ou à ses bureaux de vote. Donc Kaya les hommes qui ont bureau de vote, il y a Chine qui est sur Kaya. Nous devons voter wa. Car on a déjà une longue za matata mais les hélices parce que on voit un ouais car on peut se jouer nos cas. Nous zidiri zidiri na matata zidiri. Ani hanou ouais car on voit nos cas on doit nous voter. Sha garuna ukaya zina ngoza jiri pia kwa sata asesweru wa hatu ikao kudu shinda ya rinike ushahidi ukaya hakaanzi hata zidepuye lo pia kwa sinu ukaya haroa onze hau haro ngozonai hau hamina sewa toko zune zina ngoza sisi garuna ukaya ibidaba sergiri kentri jiprepare doko ruone se sharinya heli rabidiri hili li depoze dosi iyo hau shinda tsena li tekeleze zila droika wa kandida wa hatu bidia zihunde rangudu wakati na lista ya kampanyi ino hata rgmg ya harumaze voting ya usilo kamle kwa bon, si horongu wa si horongu wa mabuku shia si kardonza horongu wa haruma media hapo hawa rgmg la kentiri toli ya namna ya ushinda ta rieleze ya mahakama juu zeno wika ulo za jiri harumaze biro voti kwa rekonsa toka wa jiri irregularite na umbeshika ni marahali Kozi mana kandida, ma kandida mandawe wa mabavuma rojini usundi tsandaya waone se machachano ya wukonga wa kandida mzivati ya na wahida wakao wendaze liwe na ye Sedi Prince harone se waka wabiri machachano nji swafi haruma miji ya hanyu ya he tsandano shaye kanada ambiyo mayangu sutene izi fikra zimu wahida ula donku haelewa Aureje mbavitsene mwahida ula amba mba imide mga karendo nai hawe kahibiwa ngeju utosha. Leo makandidano su wahe oranjo wambo kana ketina mana wake mahakama kamro imide mga wabahi. Enu jorga nai nusu imida mga wabundi mahakama mbiwa. Wewe mahakama anu amini kango jorejeziwa hongo fanyo jeste koliho ekibinada mwilazimu mbra fanyo wanroa onika kujala alabahi. Ya bili tsikanza njue kwezi arumaye kampanyi wananyasi wa hesi ni wakotazi rezultaone soka ya kawajabira matata eni ya mdaho ndu eni ya tsumunda mkajabotewa yuwe mano tsumu sagiru kwa mbwende wala mbujume ila bili ala kuu maname ya jajiru ila manu wala simambia nukaya Kandoni mkaya uwizani wa siyasa leze mitingi mwono e mitingi hatu ya bata ija wangu mwono e mitingi hatu ya tujini ija wangu ena mbrambiye e mitingi Abdul Azizi yafanya ya kana wangu pasko si sembabirasoma garjuwa woka e kama nguanzo wa bime On va faire un meeting, on va faire un sondage. Et le sondage, il n'y a pas de fiable. Si on garde aussi que 100 billets d'argent, il y a des argent, il y a des gens qui ont 100 billets d'argent. Et on a dit que Abdul Aziz a fait un meeting, il y a un monde, du moment où il y a un monde. Il y a un monde qui a fait un meeting, Ekabata, kabajaka wangu. Donc, tafadhali, babani, kweli, panu,
Rwono kaya CRC harmoa ma candida Sherinina ne tawane e ma candida kumina waradar e samwe de prometu kamrat zenogozin banunge jitumki ni shiha leo wende wakenti watwalie auno kaya kolinga fanyona hi kanato juwa leo rito rito henda harmoa ma harmoa bureau rito ema asasori wa wangu rende la kantida si wasiri jazi. Et bien nous salons ça, nous avons des halistes, nous avons des gens qui ont fait un appel d'offres, nous avons un bébé, Ribéa, nous avons fait des formations. Aussi, nous avons fait des formations. Halafu wamboka shanga ni masasori wahanyu. Izuko ilinga sini masasori wahanyu. Sha 15h a 16h. Masasori watodori para mzi mamboka ngartoloa. Yawa ngarjo kufanya. Kwa waza, wakanti wawaza. Wafanya zuwa kwa hanzi. Limoradidi zuwa hamba. Hosta Arabu. Chujwa mboka rishina hosta Arabu. Ngarfanya werokuru ribe. Sha ngarjuwa wakaya. Yoke itina kartina toma yokange juko asulibahanyu. Sha hosta Arabu wahatu. Ngarafanya uti jambo kaya ritoshi nda kardashi nda rafanya rokuru. Ngarafanya rokuru renuese. Shangar juwa uka ya wowo. Mtu aminu kaya kwa joriji ningone harumaze harumako uko mbese. Watu mwanza warenge. Ima depute wa kenya ma depute shirin. CRC. Abo kaya yu ni demokrasi yu horendao. Bismillah. Salamu alaikum. Kwa mali hili wa zunisa uka ya mwe mwe dola mukaye jo shino yimne mwezi mu ko akotsina ritsidi wazo kawla zibotira ko fanya ka bunga ko de electoral abunga mjo juzi sa est ce ni pese ze paroles a rais a ni pese ze article ze ko de electoral donc kotsina ndunga ze paroles a rais ukaye jo shino yimne mwezi mu parce que ya bungu na fasirizi nji jo ko ni ka fasiri yo kaya na yimne mwezi mu sa nous y avons là. Mimi va une boue code électorale, non est soca et cabo viri irrégularité, mais une rousse, je ne fais pas le cours. Madame Rosungo Kohamba, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais nous vous écrit. Et quand c'est écrit à Mokayen, je ne fais pas le cours. Pourquoi tu fais? Et quand on retient à votre semi, on a Mokaya, quand tu fais le cours, Ramdokaja. De engager au chaque fois engager la volonté à tout cas au rené bio de onessa ou kaya va nous gassi haruma démocratie donc il y a voulu oui bakisho kaya hena bahanu kao ngabo aminifu baina ye mahakama no fonti wa kisharia wa kisosiete Par contre, c'est une administration comme parmi tant d'autres. Donc, quand on joue au matériel, on a mis à partir des chiffres, quand on a mis à partir des irrégularités, quand on nous a dit, les attendus, les sur les appuis, quand on a dû finir le cours, on a vu un peu. Et ça, merci d'être venu à la conférence. Donc, le but de la conférence est de montrer un petit peu les irrégularités suite aux résultats provisoires de la CENI
et de prendre le temps de remercier nos militants et nos sympathisants, puisque nous venons de faire un mois et demi de campagne. C'était important d'appeler les journalistes. Donc, je vous remercie d'être venus pour vous expliquer comment nous avons mené la campagne et la sortie des résultats provisoires de la CENI. Donc, hier soir, nous avons eu les résultats provisoires de la CENI. Vu des irrégularités qu'il y a eu dans différents bureaux, notamment Rahaya, Bibavu, Milevani, Moussivu, Mambani, et c'est des irrégularités graves, puisque nous avons eu nos militants qui ont été, nos assesseurs qui ont été sortis des bureaux à partir de 15h, de 15h à 17h, tous nos assesseurs se sont retrouvés dehors. Donc le comptage s'est fait sans nos assesseurs. Il n'y avait pas d'émissaire de l'Union africaine dans les bureaux pour vérifier le comptage des bulletins. Du coup, les urnes ont été bourrées, alors que moi-même, je me suis rendu à Haraya, il était 12 heures, un peu moins de 12 heures. Il y avait dans les urnes à peu près 60 à 80 bulletins, et on arrive au résultat. On a des bureaux qui ont voté à 400, 450, et on se demande, des bureaux de vote qui n'ont pas fermé à 20h mais qui ont fermé à 16h, comment entre midi et 16h on a pu avoir 300 personnes dans chaque bureau qui sont venus, 350 personnes voter. Ça, c'est un premier constat, mais le constat le plus important pour nous, c'est que la campagne s'est déroulée, cette élection s'est déroulée en deux étapes. La première étape, c'était de démontrer que le village de Tujini, c'est un village qui fait partie de l'État comorien. Ce n'est pas un village qui est dans un État, qui a un État propre à lui. C'est le village de Tujini qui fait partie de l'État comorien. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le CNT, nous avons Boko Haram qui ont décidé de manière catégorique de dire qu'il n'y aurait pas de campagne, il n'y aurait pas d'élection, qu'on ne ferait pas de meeting, qu'on ne pourrait pas poser d'affiches, et que les caisses, s'il y avait élection, seraient cassées. On a, avec beaucoup d'énergie, d'organisation et beaucoup de mobilisation de nos militants, nous avons organisé un meeting, nous avons collé nos affiches et nous avons eu une élection qui s'est déroulée dans le calme et dans la sérénité. Les gens ont été votés, il n'y a aucune urne qui a été cassée. Donc, c'était pour nous, c'est une première victoire dans cette élection. Et elle est importante puisque désormais, les Comores et l'ensemble des Comoriens ont compris que à Tujini fait partie de l'État comorien. Ce n'est pas un État à part. Donc, c'est vraiment la première grande victoire qu'on peut se féliciter, l'ensemble de l'équipe, d'avoir eu gain de cause. Deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est l'élection. L'élection en elle-même, on le savait dès le départ qu'il y aurait de fortes irrégularités, mais nous avons pris nos responsabilités en tant que responsables politiques et nous avons été à l'élection. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients que ces irrégularités, nous allons faire un recours. Est-ce qu'il sera, il y aura une suite favorable ou pas? On ne sait pas. Mais il est de notre devoir en tant que responsables d'aller au bout de notre démarche et montrer que des irrégularités ont eu lieu, mais que ce n'est pas normal et il faut le code électoral nous autorise à faire un recours. On fait le recours après à la Cour suprême de juger si le recours est recevable ou pas recevable. Nous, les chances qu'on donne à la recevabilité de ce recours sont minimes, mais il y a quand même des chances. Voilà pourquoi nous vous avons appelé. On veut également remercier l'ensemble
de nos sympathisants et de nos militants qui ont été avec nous durant toute la campagne, et tous les militants et les sympathisants de Litsandra Nord, et toutes les personnes de Litsandra Nord qui ont voté pour nous, on tient à les remercier, et ceux qui n'ont pas voté pour nous, on tient aussi à les remercier, parce que demain, on va bien entendu travailler avec toutes les personnes de Litsandra Nord. C'est pour ça que nous vous avons convié à cette conférence, pour tout simplement vous démontrer que d'un côté, nous avons gagné cette élection, puisque vous le savez très bien qu'une élection électorale, la politique, jauger quand on veut prendre le pouls d'une campagne électorale, on regarde le nombre de meetings et on regarde le nombre de personnes qu'il y a dans les meetings. Et là, on a une idée, et aux Comores, le sondage n'est pas encore fiable, mais en tout cas, quand on prend la photographie d'un meeting et qu'on regarde la population qu'il y a dans le meeting, on se dit, eh ben, le meeting de Salim Saadi, il y avait tant de personnes, et on fait une équation, et on sait que Salim Saadi est en tête des sondages. Or, là où je suis carrément effaré, étonné, le candidat qui est, entre guillemets, en tête, ce candidat n'a